Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. Un, Cameroun, deux ministres de Paul tuent une élève. 2. Quand Maurice Canto fait l'exception. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, Restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Quand Maurice Canto fait l'exception. Quand on évoque Maurice Canto, certains pensent au juriste brillant, d'autres à l'opposant politique courageux, mais rares sont ceux qui s'attardent sur ce qui le véritable rend exceptionnel. Aujourd'hui, plongeons dans le parcours fascinant d'un homme qui défie les conventions, Incarne la résilience et bouleverse les codes de la politique au Cameroun. 1. L'homme au parcours académique irréprochable. Avant de devenir l'épine dans le pied du régime de Paul Biya, Maurice Kanto était un juriste de renommée internationale. Ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Yaoundé et ex-ministre, son nom résonne au au-delà des frontières camerounaises. Mais son parcours académique impeccable est loin d'être sa seule force car si les diplômes et les titres se ramassent dans les cercles du pouvoir, la droiture et le courage sont une denrée rare. Et c'est là que Maurice Kanto fait l'exception. Parce qu'au Cameroun, on sait bien que beaucoup préfèrent troquer leurs principes contre un poste ministériel ou quelques faveurs bien placées. Lui, il a choisi une autre voie, celle de l'intégrité, du risque et, disons-le, d'une bonne dose d'audace. Deux, un début politique improbable mais audacieux. Quand Maurice Canto a décidé de se lancer en politique, soyons honnêtes, peu y croyaient. Amédée Dimitri Toukotom, analyste politique, se rappelle l'époque où Canto était perçu comme un aristocrate intellectuel, trop raffiné pour le terrain brutal de la politique camerounaise. Mais contre toute attente, il persiste les routes, rencontre des dirigeants locaux, écoute les doléances d'un peuple désabusé. Il prouve que sous son air calme se cache une détermination à toute épreuve. Avouez qu'il fallait un certain culot pour quitter le confort feutré des bureaux de Yaoundé et se plonger dans le chaos d'une campagne électorale camerounaise, non Eh bien, Maurice Kanto l'a fait, et avec panache. 3. La présidentielle de 2018, le tournant. 2018 marque un tournant dans l'histoire politique du Cameroun. Lors de l'élection présidentielle, Kanto parcourt le pays. Bravant les bastions du pouvoir, notamment le septentrion, où sa popularité surprend même les plus sceptiques. Malgré une campagne inégale et des obstacles monumentaux, il mobilise des foules impressionnantes, rivalisant avec les rassemblements historiques du défunt John Fruendi. Mais c'est après l'élection que le véritable visage de Canto se dévoile. 4. Une opposition courageuse et réprimée. Lorsque Maurice Canto revendique une victoire volée à la présidentielle, le régime répond par la force. Incarcéré pendant neuf mois avec des centaines de militants, il refuse de pince. À sa libération, il retourne sur le terrain, indifférent aux menaces, et devient le symbole d'une résistance inébranlable face à un régime vieillissant et autoritaire. Il faut le reconnaître, passer neuf mois derrière les barreaux pour avoir osé contester une élection, cela forge le caractère. Mais pour Canto, c'était un lundi comme un autre. Après tout, il n'en est pas à sa première confrontation avec le pouvoir, n'est-ce pas 5. Une reconnaissance nationale et internationale. Son parcours inspire respect et admiration, même chez ses rivaux politiques. Jean-Michel Nincheux, cadre expérimenté de l'opposition, le reconnaît, quant au incarne la popularité, le courage et l'intégrité que le Cameroun attend depuis des décennies à chaque étape de sa vie, il prouve qu'il est bien plus qu'un simple opposant, il est un leader en quête de changement pour tout un peuple. 6. Maurice Canto, l'espoir d'un Cameroun nouveau. Alors, Maurice Canto est-il l'homme providentiel? Certains diront oui, d'autres hésiteront encore. Mais une chose est sûre, dans un pays miné par la corruption, les injustices et l'arrogance du pouvoir, Canto fait figure d'exception. Et cette exception, mesdames et messieurs, pourrait bien être la clé d'un Cameroun libre, démocratique et prospère. Politique, Maurice Canto gagne du terrain. Opinion sur les compétences de Maurice Canto. Chers abonnés de Cameroun Info, aujourd'hui, nous nous penchons sur une figure politique qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de mobiliser de vives passions, Maurice Canto. Elle homme qui, selon certains, incarne l'espoir d'un Cameroun démocratique, mais pour d'autres, n'est qu'un rêveur face à un système bien huilé mais au-delà des débats, une chose est certaine, Maurice. Canto gagne du terrain, et ce, avec une résilience digne d'un roman d'aventure. Alors, qui est vraiment cet homme que beaucoup considèrent comme l'alternative, car l'histoire qui suit risque de vous surprendre. Segment 1. Maurice Kanto, l'intellectuel en quête de pouvoir. Il était une fois, dans les amphithéâtres feutrés de l'université de Yaoundé, un jeune juriste brillant, connu pour sa rigueur intellectuelle et son charisme discret. Maurice Kanto, mais qui aurait cru que cet aristocrate intellectuel, comme le précisaient ses détracteurs, Quitterait un jour le confort académique pour plonger dans le marécage de la politique camerounaise au, oh, là? Politique, ce monde où l'on ne débat pas seulement avec des idées, mais aussi avec des coups bas, des arrestations arbitraires, et parfois même, des balles perdues et pourtant, quand aussi s'y est aventuré, armé de sa foi en. La démocratie est, d'une sacrée dose de naïveté, selon certains. Segment 2, 2018, l'année du tournant politique. 2018, une année où les Camerounais découvrent un Maurice Canto différent. Pendant la campagne présidentielle, il parcourt le pays, convaincu qu'il peut séduire même les régions les plus hostiles à l'opposition. Et là, surprise générale, l'homme fait sale comble à Maroua, Garoua, Douala, et Yaoundé ses rencontres ressemblent à des concerts où l'espoir est la star principale. L'histoire ne s'arrête pas là. Vient le jour fatidique de l'élection. Les résultats tombent, et comme dans un mauvais film, la victoire qu'il revendique lui échappe. Les Camerounais, eux, sont partagés entre colère, résignation et admiration pour cet homme qui refuse de pincer les Chines. Segment 3. Le courage face à la répression. Et là, mesdames et messieurs, le véritable test commence. Maurice Canto, fidèle à son idéal, appelle à des manifestations pacifiques pour protester contre ce qu'il considère comme une mascarade électorale et comment le régime répond-il avec une violence brutale, des gaz lacrymogènes, des arrestations en masse, et même des séjours en prison pour Canto lui-même, ce n'est pas un épisode isolé. L'homme, avec son sourire parfois énigmatique, continue de descendre dans la rue, de haranguer ses partisans et de tenir tête à un système qui, jusqu'ici, semblait inébranlable. Chaque arrestation, chaque intimidation ne fait que renforcer. Son aura, qui aurait cru qu'un ancien ministre deviendrait le symbole de la résistance au Cameroun? Segment 4. Un leader forgé par l'adversité. Ce que peu de gens savent, c'est que Maurice Canto est un habitué des détentions arbitraires. Avant même sa carrière politique, il avait goûté aux joies douteuses de la brigade mixte mobile, cette sinistre institution où même les murs semblent chuchoter des récits de souffrance en 1987, après un débat musclé avec Hubert Mono N'Jana sur les mérites supposés de Paul Biya, le jeune professeur de droit se retrouve derrière les barreaux. Une expérience qui, loin de la rupture, le façonne aujourd'hui, il utilise ses souvenirs non comme des traumatismes, mais comme des badges d'honneur. Segment 5 Une opposition qui gagne en crédibilité. Alors, que reste-t-il à dire de cet homme Selon Jean-Michel Nincheux, lui-même vétéran de l'opposition, quant au coche toutes les cases, popularité, courage, opiniâtreté et intégrité. Un CV politique que même ses adversaires envient en silence, c'est que dans un pays où le pouvoir s'obtient souvent par des moyens peu orthodoxes. Persiste à croire au pouvoir des urnes. Une utopie, diront certaines visions, corrigeront d'autres. Conclusion, le rêve d'un Cameroun nouveau? En fin de compte, Maurice Canto est peut-être ce leader que les Camerounais attendaient depuis des décennies ou peut-être est-il simplement l'un des nombreux héros tragiques d'une démocratie encore embryonnaire. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, il ne laisse personne indifférent. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous? Maurice Canto est-il l'homme de la situation ou simplement un autre chapitre dans l'histoire complexe du Cameroun? Laissez vos commentaires, partagez cette vidéo, et surtout, restez connectés à Cameroun Info pour ne rien manquer de l'actualité.